Clé 13,666 avec un degré de difficulté de 5,7 lors des qualifications. Alors pour Clé, c'est d'augmenter, d'assurer d'ailleurs qu'il livre encore le 5,7 en difficulté et surtout la qualité d'exécution. Regardez l'extension. Très, très bien, bien aligné. Bon changement de direction sur un arçon. Son rythme est bon. Et c'est bon, ses changements de face sont nets, clairs. C'est ici, c'est un passage difficile pour passer au-dessus des arçons. Très difficile, celui-là. Un transport. Pas tout à fait en face, un petit peu de côté. Bravo! Très belle performance. Zachary Clay. Donc, de l'élan. Tout de suite, la planche, mais à l'horizontale. Tenu 2 secondes, c'était clair. Et planche maintenant au-dessus de l'horizontale, très clair et descente. Donc ça, c'est cette liaison-là augmente le degré de difficulté. Et l'arrière à l'appui tendu renversé. Il y a eu un petit peu de problème à atteindre l'appui tendu renversé sans se réajuster. Et l'en avant, encore à l'appui tendu renversé. Les bras sont bien tendus tout au long de chacun des passages. Groupe écarpé, chaise à l'écart. Là, il va attendre pour déplacer les anneaux par en avant et la double salto, double vrille. On s'en va au saut avec Félix Dolci. Oh, ça, c'était bien. Ah, dommage ici, mais c'était vraiment, vraiment bien. Justement, c'est favorable pour les rotations, comme on voit ici. Quart de tour poussé. Et double vrille et demi, débordement sur le côté. Donc, il y aura une déduction ici d'une pénalité de 0,1. Okay. 5,20 la difficulté. Oh! Ah, ça, c'est dommage, ce débordement-là. Il lui coûtait cher. Donc, mais au moins, il a pu se reprendre sur la difficulté qu'il a eue en qualification. Donc, on va voir sa course. Donc, il semble qu'en qualification, il avait perdu les pas sur sa course, il n'avait pas fait son accélération suffisante. Regardons maintenant son attaque par en avant. Poussée de la deuxième main, élévation, les jambes sont bien serrées. Et double vrille et demi, manquait un petit peu de hauteur. Ça lui coûte un dixième, mais ça donne quand même 14,032. Ouais. Du brachial, salto avant, carpé, manque un petit peu de hauteur. René a eu une note de 13,666. William Aymar, 14,033. Ici, élan sous la barre avec changement de direction. Élan sous la barre à plus tendu renversé. Ça va bien pour. Donc, élan avant avec vrille sur un bras. Un diamidov. Du brachial. Très belle amplitude. Les hanches étaient très dégagées. Salto, vraiment une belle hauteur. Et là, en demi-tour, du brachial, regardez la hauteur des hanches et double groupé. Oui! Demi-tour. Solide exercice. Solide, solide.